Et les voilà qui s'élancent pour le Grand Prix de Compiègne. C'est la cinquième étape du défi du galop avec le grand Salzmann qui est au centre et Chafaf, l'un des favoris, casaque bleu, épaulette blanche qui se rapproche à l'extérieur. Le poulain qui porte les œillères australiennes bleues. Il a son intérieur le britannique Pride of America qui vient devant Rio Corvo, casaque blanc et jaune qui est en troisième position alors que le 7 Quest the Moon est quatrième dans le sillage de Chafaf. Parchemin numéro 4 est en cinquième position à la corde. Il y a pour l'instant en retrait la jument Irska ainsi que le 3 Caprice des Dieux qui est en dernière position alors que le peloton est à Milligno opposé. Toujours sous l'impulsion du 5 Pride of America avec Tony Picon, Rio Corvo, Gérald de Mossé dans son sillage, Chafaf à son extérieur avec Christiane de Mureau. Dans le dos de Chafaf, on retrouve le 7 Quest the Moon alors que Parchemin vient à l'intérieur devant Irska accompagné par Salesman alors que nous avons toujours Caprice des Dieux qui patiente en dernière position. Les concurrents sont au bout de la ligne d'en face et abordent ainsi le dernier tournant avec le 5 Pride of America devant Rio Corvo et Chafaf qui vient troisième, alors que le 7 Quest the Moon est quatrième, Parchemin est cinquième avec à son extérieur Salesman, Caprice des Dieux est à l'arrière, Irska également pour bientôt sortir du tournant et aborder la dernière ligne droite. Pride of America avec une longueur devant Chafaf accompagné en troisième position par Rio Corvo, en quatrième position le 7 c'est Quest the Moon, Parchemin est cinquième, Salesman vient à l'extérieur, Caprice des Dieux est en avant-dernière position, Irska est toujours en retrait. Ils sont maintenant environ à 400 mètres du but avec Chafaf, Quest the Moon qui progressent ensemble à l'extérieur. Rio Corvo est en troisième position, Salesman est quatrième. Parchemin également maintenant tente de revenir sur les premiers et notamment sur Quest the Moon. Quest the Moon qui a pris l'avantage maintenant devant Rio Corvo alors que Chafaf progresse. Salesman également qui maintenant est en troisième position. Quest the Moon a toujours le meilleur devant Salesman accompagné en troisième position par Rio Corvo. C'est Quest the Moon qui va s'imposer. Salesman sera deuxième. La troisième place c'est à voir entre Chafaf et Rio Corvo. Succès pour René Pitchoulek, le vainqueur du dernier prix de l'Arc de Triomphe qui s'impose associé à Quest the Moon. L'entraînement de Sarah Steinberg. La deuxième place revient au numéro 8 à Seisman. Troisième place pour l'As Chafaf. Et la quatrième place, elle va revenir au numéro 2, Rio Corvo.